Bonjour, Monsieur Barros. Bonjour. Alors, pour cette séance, donc on va la consacrer à l'étude des commandes uniques. Donc déjà, la première séance, on a commencé, on a vu que sous Unix, on peut, c'est comme sous DOS, donc on peut lancer des instructions, on peut administrer notre système d'exploitation, d'accord? Donc on va faire aussi une comparaison entre DOS et le Linux. Sachant que Linux, donc j'ai fait une présentation l'autre fois, j'ai dit il fait partie de la famille open source. D'accord? J'ai bien expliqué ce que ça veut dire le open source. Donc actuellement dans le monde, il y a deux grandes écoles. Celle qui va faire tout ce qui est technologie payante. Vous devez payer les services pour y accéder. Et aussi la deuxième école qui veut normalement partager librement l'information à travers le support informatique. Alors, sous système Linux, alors on peut bien sûr travailler graphiquement les commandes, on peut aussi travailler avec les lignes de commandes. Donc, les administrateurs qui gèrent le système d'information, qui gèrent les parcs informatiques, utilisent souvent Linux hein, sous forme console. Et ils tapent les commandes directement. Donc, cette fois, donc, on va voir on peut. Donc, vous voyez mon écran là, grand écran? Oui, D'accord. oui, oui. Bien. Oui, monsieur. Alors, Bon, déjà, monsieur, bon. très bien. Alors, déjà, on a vu ça. On a vu la commande date, la commande calendar, la commande clear. D'accord. Alors, on va ajouter d'autres commandes aujourd'hui. Donc, on va les voir. Mais je vous conseille d'utiliser une machine virtuelle, okay? Une machine virtuelle en ligne. Comme ça, vous n'aurez pas à installer le système d'exploitation Unix ou Linux. Donc, vous utilisez. Donc, l'autre fois, je vous ai montré qu'il y a un service en ligne où on peut faire ça. D'accord? Donc, je vais essayer de partager avec vous mon écran. Monsieur, j'ai fait émulateur Unix, mais ça Oui. marche pas la dernière fois. D'accord. Donc on va voir quoi, d'où vient le problème. Alors, aujourd'hui, je vous propose ça. Webminal. Comme terminal, ils ont fait Webminal. Alors, il est très très puissant et très joli aussi à utiliser. Vous le voyez sur mon écran? Oui. Alors, c'est webminal.org. D'accord, webminal.org. Alors, souvent, ils vont vous demander de créer un identifiant et d'entrer votre adresse mail. Comme ça, vous aurez la main à accéder à votre session. Vous tapez votre login et votre mot de passe. Et vous pouvez utiliser, bien sûr, ce système. Alors, je vais vous montrer comment. Donc, il y a le bouton ici, terminal. D'accord. Alors, au moment où on va cliquer, donc, il va me demander mon login et mon mot de passe. Moi, je me suis déjà inscrit. Alors, pour s'inscrire, c'est facile. Donc, il suffit de faire. وصلت قبل كبيرة وصلت قبل وصلت إلى راه قال لك راه بغى يدخل قبلت عليه، راه داخل البلاد، راه كيتسمع. صافي صافي بلاد، أنا جيت علاش ما كتجيش تقرا في صافي بلاد؟ واخ، الوغ سي اون في ريجيستري. داكور، اون فو دوموندي دو رومبلي وصلت سا. ايكوت بيان سكو جيكسبليك. Vous devez remplir votre nom, d'accord, votre adresse mail, mettez un mot de passe, n'importe lequel, d'accord, mais vous devez confirmer. Et ce système, il est très très bien. Donc, je fais enregistrer, d'accord, vous faites enregistrer, et comme ça, vous aurez la main à accéder au terminal, d'accord. Alors, je D'accord, vais. monsieur. Comment? D'accord. Très très bien. Alors, je vais faire login. Bon, ils me connaissent déjà, donc je fais un mot de passe. J'espère que je ne suis pas trompé de mot de passe. Voilà. Alors, je peux accéder au terminal. Donc, le terminal, en fait, c'est la ligne de commande. C'est la console. C'est CMD. Alors, vous tapez votre login.
vous mettez n'importe quoi. Alors, le mot de passe que vous avez mis au moment de votre inscription, et remarquez, j'ai tapé le mot de passe, mais on ne voit pas s'inscrire les caractères. D'accord? C'est pour des raisons de sécurité. Donc là, il me dit que le login est incorrect. Correct. Le mot de passe, pourquoi c'est dur, le mot de passe? Alors, je vais refaire l'inscription directement devant vous. Alors, pour s'inscrire, c'est simple. Donc, vous cliquez sur... parce que là, il m'a déjà accepté. Alors, le registre. Alors, je vais mettre un nom. Peut-être je vais faire Ismaili. D'accord. Une adresse email que je vais utiliser peut-être formation@gmail.com. Okay. Et là, je vais faire un mot de passe. Très simple à retenir. D'accord. Et vous lancez l'enregistrement. Et vous devez bien sûr... donc, il m'a dit qu'ils nous ont fait un lien qui a été envoyé à la boîte mail. D'accord. Je dois me connecter à ma boîte mail pour voir ça de plus près. D'accord. Donc, je vais essayer de me connecter à cette boîte. D'accord. Donc, voilà, je mets mon... D'habitude, ça se passe très très rapidement. Donc, l'activation se fait instantanément. Alors, sinon, il faut chercher parce que ce genre de manipulation, souvent on les prend pour spam. Vous devez faire attention à vérifier aussi votre boîte spam. Là, voilà. Vérifier ce qu'effectivement ils m'ont envoyé. La transformation. Bon, je ne vois pas de lien. Je ne vois pas de lien de toute façon. Je pense que je devrais accepter ça. C'est sûrement pour ça. En fait, ça, ce sont les... Voilà, maintenant, je pense que c'est bon. Alors, je vais activer mon mail. C'est pour les... C'est une forme de contrat que vous devez normalement accepter. Voilà. Donc, j'ai le lien. Donc, je clique ici. Et je peux bien sûr me connecter avec l'identifiant que j'ai choisi. Voilà, je fais un login. Voilà, je peux enregistrer le mot de passe et je clique sur le terminal. Il y a le corona ici. Ok. Yes. Bilal Kaimoud. Bilal fait corona. Oh, grâce. Ah, Kaimoud, Lina, non, Bilal. Hello. مالك يا بلال؟ اه مالك؟ دونك سي سي لو نون كو جي مي اه شويه ديال الكحبه وصافي جو سي با بوركي نا با اكسبتي دونك سي سي لو نون كو جي انسكري فوالا مانتنون سي بون الوغ webminal.org يور لينكس شير فايلز ويز اذرز سي كومن الوغ لا il me dit que voilà, donc il y a là, c'est l'interface de la commande. Et à côté, ici, on a l'aide. C'est-à-dire que vous pouvez choisir même des leçons, suivre des leçons. Vous voyez, donc il y a des leçons pour apprendre à utiliser ce terminal ou ce système. Alors déjà, on a vu qu'on pouvait faire date. Donc, je vais faire un test. C'est facile, date. D'accord? Donc, il m'affiche la date. On a vu calendar, cal. Voilà, ça marche. Et on a vu clear pour effacer l'écran, revenir en premier.
Alors, ce qu'on va faire, par exemple, pour afficher le nom du système d'exploitation, vous faites Uname. Uname. Votre nom. C'est-à-dire, c'est comme vous parlez avec le système, vous dites, donnez-moi votre nom, système. Vous dites, je suis Linux. Vous voyez? On a dit qu'il y a le manuel, c'est-à-dire, si vous faites man, normalement, dans un système qui est bien installé, vous devrez, voilà, vous donner le manuel. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais man clear. Donc là, il m'explique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la commande clear? Clear the terminal screen, etc., etc. OK. Il me dit press H for help or Q for quiet. Donc, je fais suivant. Voilà. Et je reviens. Et vous faites la même chose avec les autres commandes. Donc, vous pouvez taper ça et bien sûr voir ce que ça donne. Donc, le résultat de chaque commande. Alors, je vais partager un autre écran avec vous. Alors, cette fois, ça va être la présentation. Donc, les commandes de Unix les plus utilisées, donc on va voir étape par étape. Donc, on a vu la première étape. Hein, alors, ensuite, on a vu Uname. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va un peu attaquer la partie des dossiers, okay, répertoire. Donc, rappelez-vous dans le MS-DOS, dans le DOS, on a vu qu'il y a la commande CD, la commande MD. Vous voyez, donc, MKDIR, make directory change, ça ressemble. Il y a une grande ressemblance entre les commandes, la commande MD et la commande CD. Donc, elle existe. Et même le CD deux points. CD deux points pour remonter, pour changer de répertoire. Bon, il y a le personal wall directory. Alors, normalement, cette commande-là, donc, vous pouvez prendre des notes si vous voulez. D'accord. Mkdir, d'accord. ls, d'accord, pour afficher le contenu. Et la commande cd. Alors, si vous vous rappelez, on a fait la commande dire. Dire. La commande dire, son équivalent sur Linux, c'est ls. Liste. C'est-à-dire, vous pouvez lister le contenu d'un dossier ou un disque dur. OK. Alors, on va revenir à Monsieur. Notre. Oui. Monsieur LCC dire, c'est la même chose. LS. C'est le même principe. Exactement. Exactement. Alors, je reviens à mon émulateur. Alors, je vais essayer de tester ces commandes-là. D'accord? Commençons par PWD. Personnel. Paul Directeur. Alors, si je fais entrer comme ça, il me dit que actuellement vous êtes dans le dossier Home, dans le sous-dossier Ismagi. Vous arrivez à voir? Pas si non, le zoom ça marche pas. Oui, donc, parce que, oui. Voilà, je vais réduire un petit peu. Sans problème. Bien. Alors, la commande suivante. Donc là, il vous donne le répertoire en cours, le répertoire auquel, sur lequel vous travaillez. Alors, supposons que je veux créer un dossier, je dois faire make mkdir. Mkdir. Vous faites espace et vous entrez un nom. Par exemple, je fais info 2. Info 2e année, entrée. Alors, normalement, le dossier a été créé. Bon, pour en savoir, je fais ls. Voilà, il m'affiche que, et à l'intérieur de ce dossier-là, il y a le dossier info 2. Ça veut dire, si je fais pwd, c'est-à-dire dans il y a home, ismagi, info 2. Alors, pour pouvoir entrer dans ce dossier, on va faire CD. CD info 2. Comme ce qu'on faisait avec le DOS. Alors, je vais faire PWD. Vous voyez que maintenant, je suis à l'intérieur de info 2, qui est à l'intérieur de Ismagi, qui est à l'intérieur de RAM. Donc, il y a une succession de dossiers. Alors, la commande principale que vous devez normalement savoir, c'est mkdir. On peut créer des dossiers avec mkdir. Alors, pour revenir en arrière, on fait CD deux points, comme le DOS. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, je vais voir man CD. D'accord? Donc, il me dit que. Donc, cette commande elle permet normalement, tu dois donner un nom, tu dois donner pas mal de choses, file name, source name. Alors, page 1. Non.
CD. Alors, normalement, si je fais CD anti slash sous DOS, ça te permet de revenir en arrière. OK. Alors, man encadir. D'accord. Man encadir. Voilà. Alors, j'ai la description globale de chaque commande. Donc, c'est ce que vous allez essayer de faire. Donc, on va maintenant faire quelques dossiers. Donc, je vais revenir pour voir le répertoire en cours. PWD. D'accord. On est toujours à l'intérieur de Info 2. Et je sais que dans la pratique, on peut changer. Oui. La commande man mkdir, ça permet de savoir à quoi ça sert la commande mkdir. Tout à fait. C'est créé en deux. C'est-à-dire, si je fais comme ça, man mkdir, entrée, voilà, il va me donner l'aide de la commande. C'est-à-dire, là, remarque, il me dit mkdir make directories. Il permet de créer des dossiers. Alors, il se dit qu'il y a aussi des options. Donc, tout ce qui est entre crochets, c'est-à-dire il est optionnel. Mais ce qui est nécessaire, c'est que tu dois entrer le nom d'un dossier. C'est-à-dire que tu fais mkdir, le nom d'un dossier. Par exemple, mkdir Fatuna. Il va créer un dossier qui s'appelle ce nom. Alors, les options, elles sont là. Tout ça sont des options. D'accord? Donc, tu peux choisir le mode de création, read, write, etc. C'est un dossier protégé, un dossier parent. Tu peux, par exemple, à chaque fois que tu veux créer un ensemble de dossiers, tu peux faire moins V, comme ça il va te donner des échos. À chaque fois, il affiche un message qui résume ce qu'il a fait. Alors, je vais essayer de revenir. Alors, si maintenant on fait mkdir, par exemple, je fais ismaji, et je fais slash, et je fais un autre dossier, par exemple, Unix. Est-ce qu'il va accepter? Ça passe. Ça veut dire, on a créé deux dossiers en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a créé deux dossiers en même temps. Ça veut dire, ce dossier-là n'existait pas, et même celui-là n'existait pas. Alors, si je fais, j'affiche le dossier personnel PWD, pardon, LS, pardon. Donc, je vois que il y a Ismaji et il y a Unix. D'accord? Donc, monsieur, on peut faire, oui. Unix est dans Ismaji ou bien tous les deux sont des dossiers de Info 2? Alors, on va. Alors, on va voir. Donc, c'est des Ismaji. Alors, il n'a pas pris en considération ça. Je pense que j'ai inversé, je dois faire l'autre. En fait, ici, si je fais CD Ismaji Unix, je pense, oui, vous avez raison. Voilà. Donc, il a entré à ce dossier-là. D'accord? Mais rappelons-le, je vais partager le deuxième écran, que cette commande-là, en fait, c'est pour créer des dossiers et des sous-dossiers. OK? Donc, alors, il faut ajouter ça. J'ai oublié de le dire, le moins VP. C'est-à-dire, si vous voulez créer des sous-répertoires, alors vous devez utiliser cette technique-là. Okay, donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Remarquez les slash. Donc, moins VP. Alors, moins VP et avec normalement des slash. Alors, je reviens à mon partage. Alors, je refais la commande. Donc, déjà, je vais voir le dossier personnel que j'utilise là-bas. Et le DD. Alors, je vais faire mkdir. D'accord. Et quels sont les paramètres qu'on a dit? Moins VP. Voilà. VP. Et on entre le nom du premier dossier. Par exemple, je vais faire informatique. Slash, tout à l'heure j'ai inversé informatique et je fais ici programmation. Programme. D'accord. Et là il me répond, il me dit created. Donc il a créé un dossier informatique et il a créé un dossier informatique et programme. Donc,
si je fais LS, voilà, il y a le dossier informatique. Si j'entre dans le dossier informatique, CD informatique, je vais trouver, donc LS, je vais trouver qu'il y a le dossier programme. Monsieur, oui. Est-ce que le programme, c'est sous l'informatique, le dossier de l'informatique, ou c'est deux dossiers différents? Non, remarque, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai demandé à créer programme comme sous-dossier dans le dossier informatique. Dans c'est-à-dire, il y a informatique, à l'intérieur, il y a programme. Donc là, d'accord. J'ai dit CD informatique, voilà, il est entré à CD informatique. Et il a trouvé qu'il y a le dossier programme à l'intérieur. Alors, oui. Ça, en fait, on peut faire une manipulation qui ressemble un peu à ce qu'on a vu. Il nous reste combien de temps? On a fait 27 minutes. D'accord. Ok, il reste un moment. Alors, on va revenir à notre présentation. Alors, pour faire... Monsieur. Pour VP, pour écrire des sous-dossiers. Exactement. Là, pour écrire des sous-dossiers et pour afficher les messages de création. C'est-à-dire pour qu'ils vous disent dossier créé. À chaque fois, comme ça, tu t'en assures qu'ils l'ont créé. Alors, tout à l'heure, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai inversé le slash et l'anti-slash. D'accord, monsieur. D'accord. Alors, il y a un outil qui s'appelle le VIM. Le VIM, le VIM en fait, c'est un éditeur de texte. C'est-à-dire, il permet de créer un texte particulier. Ok? Ça veut dire, au lieu d'utiliser le bloc-notes, comme ce qu'on faisait avec le fichier batch, vous rappelez, fichier batch, on peut utiliser le fichier BIM. Et on peut aller encore plus loin. On peut même créer des programmes, des .exe. D'accord? Mais pour. Donc ça, on va le voir la séance prochaine. On va voir ça, cette partie-là. Alors, pour cette séance, on va aussi voir comment savoir notre adresse IP externe. C'est-à-dire l'adresse IP que les gens depuis Internet vont nous voir, vont normalement communiquer avec nous à partir de cette adresse. Donc, il y a la commande curl ifconfig.me. D'accord? Ça veut dire que je veux afficher mon adresse IP telle qu'apparaît, d'accord, chez les autres internautes. Okay. Alors, pour faire cela, donc on doit revenir à notre VMware. Alors, je vais partager avec vous l'écran de l'émulateur. Donc, quelle est la commande que j'ai dit? Curl. If. If config. Config. Point me. Point. Me. Alors, permission denied. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il m'a envoyé une adresse IP. Au fait, ça, c'est l'adresse IP du serveur, hein, du serveur sur lequel il y a l'émulateur. Parce que là, c'est pas l'adresse IP de ma maison, non? C'est l'adresse IP de cette machine virtuelle. D'accord? Donc, déjà, je sais que la point d'entrée, elle est là. Donc, je peux déjà pinguer sur cette adresse-là. Alors, si vous faites la même chose depuis chez vous, si vous avez installé une machine virtuelle à l'intérieur de votre ordinateur, ça va vous donner aussi l'adresse IP réelle de votre machine. D'accord? Alors, si on veut savoir, vous connaissez Star Wars? Oui. Alors là, il y a à l'intérieur de Unix, il y a quelques petites surprises qu'on peut trouver. Ça veut dire les programmeurs qui ont utilisé ou qui ont développé l'Unix, ils ont mis aussi à l'intérieur quelques jeux, quelques démonstrations, des dessins animés qui sont cachés. Bon, ça veut dire que tu peux, au moment où tu travailles,
tu peux maintenant t'amuser, tu peux afficher par exemple certaines choses. Alors, je vais essayer d'afficher ça. Alors, quelle est la fenêtre qui s'affiche devant vous, l'ingénieur? C'est l'émulateur? Oui. Oui, monsieur. D'accord. Alors, l'émulateur. Alors, il y a en fait une commande de réseau qui s'appelle Telnet. Alors, Telnet s'appelle Telnet. Telnet. Ça veut dire que tu vas appeler un service web qui va t'envoyer un résultat. Alors, c'est comme si tu vas ouvrir un site web. Alors, si tu fais... Donc, le site s'appelle Towel. Et attention, là, on travaille sur un serveur. Alors, on fait blank. Lights.nl. NL, vous savez ce que ça veut dire, NL? Non. NL, Netherlands. Netherlands, voilà, bravo. Alors, blanking. Hollande. C'est la Hollande, oui. C'est les Pays-Bas. Blinking lights. C'est une chaîne ou là? Malin. Alors, Telnet, attends, Telnet, malheureusement, n'est pas installé dans cette machine, en fait. Alors, vous pouvez noter ça et vous pouvez le tester dans une autre machine virtuelle. L'autre fois, la machine sur laquelle on avait travaillé, je vais faire un test rapidement, la machine avec laquelle on a exécuté les dernières commandes, ça a marché. Alors, émulateur Linux. Monsieur, خدمت بهادي وما بغاش ما بغاش تخدم ليا ما تيعطيني والو يبقى حابس فين هاد لا ماشين ما دار هادي ايميلاتور لينكس هادي لا استاذ هادي تيبقى هكا حابس وتيقول لي بليز ويت وتيبقى غاز ما تيدير حتى شي حاجه vous n'avez pas un antivirus ou un firewall لا D'accord. Alors, je vais tester la deuxième machine. Et on va tester ces commandes-là. Okay. La prochaine fois, on va travailler encore sur le dossier, mais on va ajouter les fichiers. Alors, je pense qu'il a terminé le démarrage. Donc, je vais voir Telnet. Telnet. Alors, Nina dit Towel. Towel.blinkinglights.com. Blanklights.nl. Je pense que ça marche. Alors, il s'est connecté à ce serveur Telnet. D'accord? C'est long and thank for all. Donc, il est en train de charger. Alors, là, ce qu'il va lancer, c'est tout un programme. C'est tout un programme informatique où il y a une animation qui concerne Star Wars, vous voyez. Donc ça, 20th Century Text, ok, donc ils sont en train de s'amuser. Là, elle va raconter une histoire, Star Wars, etc. Et tout ce que vous voyez là, c'est issu d'un autre serveur sur le monde, en Netherlands. D'accord? Il est en train de parler de l'histoire de Star Wars, les batailles qui se font, les rebelles, etc. Okay. Donc ça, c'est parmi les petites choses qu'on trouve sur Linux. Donc, ils sont très, très doués. Donc, tout ça a été programmé. Vous allez voir qu'il y a même des dessins animés qui vont s'afficher. Et tout ça, c'est en texte, avec des lignes de commande. Vous voyez? Donc là, l'histoire, elle commence. On voit des vaisseaux, on voit des... Voilà. D'accord, il y a des étoiles, des trucs comme ça. Alors, voilà, vous connaissez ces deux personnages? Le robot. C'est tout. C'est un pomme? Ah, c'est le marron, je suis le mec à fond. Ah, bien sûr. Ok. D'accord, je vous laisse, bien sûr, découvrir cela. D'accord, donc la commande, est-ce que vous l'avez pris ou pas? Vous l'avez noté? Donc, je vais la partager avec vous. Voilà. Donc, ah, ça attend, ça. Il y a dit Telnet, Towel. Vous pouvez prendre une capture d'écran
Sinon, cette oui. présentation, je vais la mettre sous Google Classroom, comme ça vous pouvez revenir et la revoir. Qui est avec nous Saad, Bilal, Fatouna, Ilyas, Soufiane, Boussi, Salman. Qui est Ghaib? Soufiane. Comment est-ce que tu es سفيان وقيل تجوج سبحان الله دابا الزواج رخيص دابا في هاد الظروف هادي دابا والله رخيص دابا رخيص بزاف لا ثمن فابور مزيان alors je vous remercie d'accord prenez soin de vous on se voit la prochaine fois inchallah d'accord et revenez à Google Classroom pour récupérer ces fichiers là D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Au revoir.